Ça, il est obligé de la remettre. C'est ce qu'il a fait là. Ouais, pris Novak Djokovic. Ah, c'est fou. Oh, du bout de la raquette. Ah, superbe. Exceptionnel. Et une nouvelle fois, il est extraordinaire, Rafael Nadal, pour écarter cette deuxième balle de match. Le petit regard de Djokovic vers Marianne Vajda. Deux balles de match sauvées là. Ah, il avait tout donné une nouvelle fois, Djokovic, hein, en défense. Il avait tout donné. En défense, en attaque, il a tout fait. Ah oui. Nadal aussi. 7 points partout. Énorme ce qui se passe là sur ce central. Incroyable. Là, c'est plus la boîte magique, c'est Santiago Bernabéu. Oh, l'extraordinaire, parce qu'il était complètement en déséquilibre, là, Rafael Nadal. Surpris par le retour de Novak Djokovic, mais planté Djokovic. 19 Nadal. Il avait gagné le titre ici à Madrid. Il s'impose au terme d'une demi-finale fabuleuse face à Novak Djokovic. Il s'impose 11 points à 9 au tie-break du troisième set. Tout le monde est debout, bien sûr, pour acclamer la victoire de Rafael Nadal. Mais il faut également rendre hommage, un grand hommage à Novak Djokovic qui a été très très grand tout au long de cette demi-finale. C'est la première fois que l'on voit Rafael Nadal pousser dans ses derniers retranchements. Il est à genoux sur le central Manolo Santana. Et pourtant, ça n'est entre guillemets qu'une qualification pour la finale. Mais Arnaud, on a assisté à un très très grand match de tennis. Quel monstre. Au pluriel. Hein. Au pluriel. Au pluriel, je précise. C'est vraiment énorme. Hein. La prestation des deux joueurs. On a vraiment pensé que Djokovic l'emporterait. Jusqu'au bout, et pas du tout un Nadal. Quelle abnégation, quel mental. C'est vraiment, je reste un peu sans voix, c'est vrai que c'est, quelle fin de match. C'est vraiment impressionnant ce qu'ont fait les deux joueurs là, sur toute cette partie. Plus bravo. De 4 heures de match. Oui. Et tout le central, Manolo Santana est debout pour acclamer. On a vu également Rafael Nadal applaudir un grand, un très grand Novak Djokovic. Voilà. Voilà maintenant, il est bien le dauphin de Rafael Nadal. Il est passé tout près, il a eu 3 balles de match. Novak Djokovic, certainement très déçu. Mais dans quelques jours, après une mûre réflexion, il va encore se dire qu'il s'est rapproché vraiment de Rafael Nadal sur terre battue. Un grand bravo également à Rafael Nadal, qui se qualifie
pour la finale de ce Master 1000 de Madrid. Patrice, on a vraiment vécu un très très grand moment. 4h02 de jeu, c'est le nouveau record pour un match en Master 1000. Et une victoire donc au tie-break, au forceps du numéro 1 mondial.